One of the beautiful regions in the Haute-Côte behind Nuit-Saint-Georges. And David has been here for, I don't know, 100 years? 40. He looks very young. He looks very young, but his wines have preserved him well. David, on va parler en français ou en anglais? En français. Ah, en français, ok. Le domaine, David, parle-nous un petit peu du domaine, l'histoire du domaine et où tu vas avec le domaine et comment ça a évolué depuis que tu as pris le domaine en charge. Je sais d'où je viens, oui. Mais je ne sais pas où je vais. Tu ne sais pas? Non, ce n'est okay. Pas rassurant. Hein. Non. C'est un danger, mais bon. Mon père a créé le domaine en 1960. Il vendait tous les raisins en cave coopérative. Il a planté beaucoup de vignes sur les hautes côtes de Nuit et il a loué beaucoup de vignes sur Nuit-Saint-Georges, 5 hectares. En 1991, il y a un propriétaire, le propriétaire des vignes à Nuit-Saint-Georges, Létoré, qui a vendu sa vigne et l'investisseur, qui était le gendre d'un courtier en vin de Nuit-Saint-Georges, M. Feuillet, qui a acheté cette vigne et qui a demandé à mon père de rester dans la vigne, de cultiver la vigne et de faire le vin. Le problème, c'est que mon père n'avait jamais fait de vin. Et moi, mon père m'a demandé si je voulais faire du vin, j'avais 19 ans. Je partais au service militaire et j'ai dit oui. Donc ça a commencé tranquillement avec 12 pièces de vin à faire en 91, 92. En 93, j'ai fait plus avec des hautes côtes de Nuit. En 94 et 95 un peu plus, et puis après j'ai repris tout le domaine de mon père. Il y avait 20 hectares, beaucoup dans les hautes côtes de Nuit. Et puis Monsieur Feuillet était content du travail qu'on faisait, donc il a continué d'acheter des vols romanés, des écheseaux, des Nuits Saint-Georges premier cru, des vols romanais. Et puis en 2006, il a acheté 7 hectares, qui était le domaine Jacques Truchot. Jacques Truchot avait les Clos de la Roche, les Charles Chambertin, les Moret-Saint-Denis, les Chambolles et les Gevry. Voilà. Et puis M. Feuillet a continué d'acheter une partie des Chambertin, des Latricières Chambertin, d'un autre domaine à Moret-Saint-Denis. Et voilà. Et puis nous avons aussi développé depuis 2002 des achats de raisins. Et aujourd'hui, on fait à peu près 180 000 bouteilles. D'accord. Sur 2011. Et est-ce que depuis que tu as commencé à faire du vin, est-ce que tu trouves que tu as évolué dans le style et l'idée du vin que tu aimerais produire? Oui, ben moi c'était difficile pour moi parce que je n'avais pas de repère. Je n'avais pas de repère avec mon père. Donc j'ai essayé de faire comme 90% des viticulteurs faisaient, ou 95%, tout est grappé. Jusqu'en 100% égrappé jusqu'en 2006, où j'ai commencé de faire des essais de vendange entière avec le pédicelle. Et pas mal de bois neuf aussi, je crois. Et il y a eu une époque, 99 et 2000, où il y avait, oui, 70% de fût neuf. Aujourd'hui, depuis 2001, on fait 30% de fût neuf en moyenne sur les appellations village et 40% sur les appellations premier cru, grand cru. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil, à 10% près, parce que c'est pas facile quand tu as deux pièces de Chambertin, c'est 0%, 50% ou 100%. Voilà. Donc, c'est souvent 50%. Voilà, et depuis 2006, j'ai essayé la vendange entière, 2007, j'ai fait d'autres essais de vendange entière, et 2008, j'ai fait toutes les appellations avec 30 à 60%. 70% de vendange entière. Et pourquoi tu aimes le vendange entière? Ça, je connais le problème. C'est la faute de Dujac. Ah, c'est la faute de Dujac. Et du Claude Larlot. Oui. Mais ça, c'est leur faute. Mais je vais faire un procès à ces deux domaines-là. Tu as raison. Voilà. Et non, parce que oui,
Ils t'ont drogué avec la rafle. Oui, ils m'ont drogué avec la rafle. C'est des vins tellement... Moi, j'aime boire beaucoup de vin et j'aime consommer à table du vin. Et c'est vrai que ces vins-là me plaisent beaucoup parce que j'adore les arômes d'épices qu'il y a sur ces vins-là, ces arômes de fleurs. Et puis, le côté digestif du vin, on peut boire. Il n'y a jamais de problème. On n'a pas besoin d'avoir un verre d'eau quand on boit ces vins-là. Oui. C'est vrai, les vins Domaine Larlot, Domaine du Jacques, qui sont des plus grands promoteurs peut-être des vins de grappes entières. Mais ça fait des vins quand même élégants, parfumés, ça injecte une autre qualité dans le vin. Oui. Hein? Parce que souvent on boit les vins jeunes et c'est... Bien sûr, moi qui suis contre l'acidification, en 2009, je trouve que j'ai des vins qui sont frais, et je n'ai pas acidifié, mais je pense que c'est parce qu'il y a entre 40 et 70% de vendanges entières qui ont amené cette fraîcheur. Mmh. Voilà. Beaucoup de monde maintenant met de la vendange entière parce que ceux qui aiment boire du vin, c'est très agréable de boire des vins avec de la vendange entière bien maîtrisée, c'est-à-dire pas trop manipulée, pas pigée, pas cassée. Et voilà. Et cette fermentation dans l'agrume amène beaucoup d'élégance. Ça enlève de la couleur, mais goûter des Dujac qui ont 30 ans, c'est fabuleux. Mais je trouve ça, c'est très important ce que tu dis, dans le sens que tu as suivi une voie selon ton goût, le vin qui te plaît. Ouais. Tu n'as pas fait du vin pour plaire aux autres, tu as fait du vin pour te plaire à toi, et puis par conséquent, les gens, ils ont apprécié ce que tu fais. Et puis la mode peut-être a changé aussi. La mode a changé. Moins sur l'extraction, sur la couleur. Mais c'est très difficile. Et puis sur l'élégance. C'est très difficile de passer de mes 2006 100% ou 2005 100% et grappé. Quand tu goûtes ce que je fais maintenant, oui, il ne faut pas avoir peur de présenter à un journaliste ou à un client des vins avec beaucoup moins de coloration. Mmh. Mais quand tu vois, une fois qu'ils ont avalé le vin, le sourire que les clients ils ont, et voilà, et la consommation est toujours la même dans les restaurants où on livre, voire plus. Oui, voilà. C'est... Le vin, il ne faut pas oublier, le vin, c'est un produit de consommation. De consommation. C'est pas un produit de dégustation. Ouais, le vin, c'est fait pour boire tous les jours avec le repas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aime ? Mais j'ai remarqué aussi, chaque fois que je viens ici, il y a toujours des employés, des gens, et ils travaillent avec la musique. Ils aiment la musique et je pense que ça porte le bonheur, ça, l'envie de travailler, l'envie d'être ensemble. Et ça doit être influencer un petit peu le vin. Et parce que je sais que toi, tu aimes la musique, ouais. Ton fils, il joue saxo, exactement. Mais il joue jazz, non? Jazz, beaucoup de jazz. Mais dans le rock and roll, parce que tu aimes ça aussi. Ouais. Parce que tes vins, des fois, c'est vraiment des vins rock and roll. Ouais. Parce que l'expression rock'n'roll dans le vin, ça veut dire waouh, des vins un peu oui. À la Dujac, oui, mais aussi, un peu indien, élégant, joyeux, avec beaucoup d'arômes, etc. Oui. Oui. Et ton groupe préféré de rock'n'roll, c'est les Rolling Stones. Ah, mais oui. Alors. Mais non, c'est normal. C'est léger. Ils étaient en concert à Paris il y a une semaine. Oui. En concert privé. Et tu vois, les Rolling Stones, ça fait 50 ans qu'ils jouent. Et ça dure toujours, c'est toujours jeune, et tes vins aussi, c'est une expression de... Dans la vie, ce qui compte, c'est... Rolling Stones. C'est pas... Tu ne rassembles pas Mick Jagger, mais presque, ça viendra. Presque. Merci David. Merci Daniel, à bientôt. Okay.